Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Marcus Bonus, je vais y arriver. Et bienvenue à la présentation de l'épisode de Fallout 4. Donc, chers amis, nous étions donc dans ce dernier épisode. Oui, chercher à disséquer une mouche, voilà, une mouche bouffie. Hop, on y va. On y va. On doit aller disséquer une mouche bouffie, j'ai pas regardé où est-ce qu'elle voulait nous donner la quête. Quand un crâne apparaît à côté d'un ennemi, cela signifie que son niveau est sensiblement supérieur au vôtre et qu'il sera particulièrement difficile à vaincre. Dans ce genre de cas, il vaut mieux opérer une retraite stratégique et revenir quand vous serez plus fort. Effectivement, on a pu remarquer que... Est-ce que j'avais mis mon point d'ailleurs? Non, je l'avais pas mis. Qu'on avait justement des problèmes de dégâts quant aux ennemis, et que par conséquent, il faudrait qu'on les améliore. Donc je tire beaucoup avec des armes non automatiques. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Ok, donc on verra bien ce que ça donne au niveau de nos dégâts. Par exemple, sur le fusil d'assaut, on est à 48. Il ne semble pas être rien. Ici, on a un peu plus de dégâts quand même. Ok. Données. Divers. Apporter une glande de mouche bouffie. Où est-ce qu'elle peut nous les... D'accord, site de rationnement de la police de Boston. On n'avait pas encore découvert cet endroit. Eh ben écoutez, c'est là qu'on va aller. Hardware Town, on y va. On s'y téléporte. Et c'est là qu'on va se rendre. Alors moi je range mon bordel un petit peu, parce que j'ai fait un live hier soir. Donc j'invite à découvrir les lives sur la chaîne. Bon, pour vous ça va être un petit peu plus décalé, parce que là je suis en train de faire des vidéos en avance vis-à-vis de mes vacances. Là vous voyez par exemple, il manque une texture. Franchement il manque une texture HD. Ils auraient dû en mettre une. Surtout que regardez à quel point les boutons ressortent du comment de la texture, c'est dingue. Non, comparé au reste, vous voyez, regardez le micro, la texture fine qu'il a. Ils auraient dû faire quelque chose. Bon, alors nous c'est par là. Ok. Putain, c'est le caddie. Non, Dieu, je commence à avoir les boules pour tout. Canigou, viens. On va sûrement tomber sur des ghouls, mais c'est pas grave. Non? Oh! Ah oui, il faudra aussi que j'aille voir un truc avec vous, chers amis. Certains m'ont dit qu'il y avait un truc au niveau d'un cimetière que j'ai déjà visité. Par conséquent, j'aimerais... C'est un rat de serre, d'accord. Site de rationnement de la police de Boston, d'accord. Alors, Kenigou a trouvé quelque chose, mais il est parti. Apparemment, il y a du danger. Mais je ne vois pas où. Potentiellement là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et à côté, ce sont des gardes de caravane. Merde. C'était dingue. Ok, bah j'espère que j'ai pas à la récupérer dessus. Ah bah si. Ah, attendez. Ah bah si, bah je l'ai récupéré dessus. Hein. Oh bah merde. Ah bah ils l'ont buté, c'est même pas drôle pour moi. Bon bah un petit peu d'aventure alors, hein, c'est pas grave. Oh c'est joli comme tour ça. Wow. J'attendais pas à ça. Alors, qui c'est? Une tourelle là-bas? Bah vas-y, sors. Non mais sortez, je vous attends moi les mecs. Attendez, il tire avec quoi lui? Oh bah sors ta tête. Je vais pas te bouffer. Où est-ce qu'il est? Bon, il y a même un bug de interface, du coup, c'est pas la peine. Garde de caravane, mais il n'y a pas. C'est la personne qui possède la caravane, donc c'est des gardes de caravane sans au chômage. Littéralement.
Hop. C'est une porte? Non. Non. Alors. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver là-dedans? Rien. Rien. Magazine de société. Ok, cartouche, ça je prends. De l'essence, de l'essence. Allez, pousse-toi Canigou, ce qui m'empêche de passer parfois et c'est vraiment énervant. What? Là, ça va saigner. Ils sont deux en plus. Alors, c'est une arme qui est assez puissante pour moi donc. Dégage, putain! Putain! Le problème c'est qu'ils vont venir vers moi ensuite. Aïe. Putain, ils sont plus là. Oh merde. Ils vont venir vers moi. C'est quoi ça? Un chien d'attaque. Brassard droit en métal, réduit les dégâts des robots. What? Fais pas chier. Oh bonjour. Un autre pierre légendaire. Où il est? Allez! Putain! J'assiste à un combat d'écorcheur. Rien du tout. Tire de couverture! Non! Hop! Et hop, j'ai eu les légendaires au bout de bout. Ce qui fait que maintenant je suis caché, mais il y a le putain d'écorcheur de l'autre côté. Là-bas, je le vois. Splendeur le caillou, t'es sérieux? Hop, je l'ai eu. Alors cet écorcheur m'intéresse presque autant que le légendaire là-bas. Écorcheur d'abord. Il a dû buter l'autre en plus, il va me faire deux mains d'écorcheur. Encore faut-il que j'arrive à passer, j'imagine. Ouais, c'est là que ça va être le problème. Non, c'est bon, j'aurais pas à grimper si je passe par là. L'avantage c'est que mon fusil a pris des dégâts supplémentaires du coup vis-à-vis du niveau que j'ai mis dans le... Ah mince. Ah mince, je l'ai pas vu venir ce coup-là. Alors. Il y a un décorcheur, mais un décorcheur couteau de table. Ah, il avait un couteau de table. Génial. Ah, par contre, j'aimerais bien récupérer ses griffes, quoi, pour l'équipement, là. Alors, où est le cadavre du deuxième? Là. Oui. Ah, il avait bouffé du lait. C'est pour son développement, hein, sûrement. Bon, bon, bon. Oula. Une casse auto avec des explosions dedans. Ouais. Un truc avec un drapeau là-bas. Intriguant. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, vous savez quoi? On va se déplacer. Alors, certains m'avaient parlé d'un cimetière. Dans le cimetière en question, j'avais oublié un truc. Ah, vous êtes précis des fois, les gens, c'est génial. Hein. J'adore. Hein. Un cimetière rempli de goules.
Par contre, je me rappelle plus du tout où est-ce qu'il était. College Square, commissariat. Cimetière de Wildwood, ça devait être ça. Zoom avec des armes portées vous ralentit mais améliore la précision. Bah oui, carrément. Carrément. J'espère qu'il y aura plus de modes pour les armes dans les prochaines mises à jour, voire même plus d'armes, en tout cas dans les prochains DLC. Mais vraiment beaucoup plus, pas comme ils, comme ils avaient fait justement dans Fallout 3 où il y avait 2-3 nouvelles armes. J'ai vu du mouvement là-bas. Non ? Et donc on m'avait dit au pied d'un arbre, sur potentiellement au pied de l'arbre, j'imagine qu'il y a du centre, parce que vous n'avez pas voulu me dire lequel, mais j'imagine que c'est sur celui-là que vous avez regardé. Putain, je trouve que c'était un mob. Au pied de l'arbre, autour de l'arbre, j'ai loupé quelque chose. Oh. Oh ouais. Inclus le code source de piratage des tourelles. Ouh. Ah bah écoutez, merci les gens. Franchement merci, ça peut être cool. Ça peut être carrément cool. Merci, merci à vous. C'était pas du spoil, vous me l'avez dit comme il faut. De ce côté-là, bien joué. Bravo, bah merci les gens, franchement un grand merci. Bah écoutez, on va essayer de se déplacer par là. On va aller voir le truc des sorcières, on va aller voir ce que c'est. Je vous avais promis donc l'aventure principale, pour l'instant malheureusement je vais pas avoir le temps d'en faire aujourd'hui, parce que je peux tourner qu'un seul épisode, et encore. Donc de ce côté-là, malheureusement, on va devoir attendre une autre série d'épisodes. Hop. Alors, par où c'était? Par là, à l'est. Ah oui, je me rappelle, il y avait pas des pillards là-dedans ou un truc dans le genre? Ah là là. F5. 2. Fusil de chasse. Merde, c'était quoi ça? La gueule? C'est elle qui est là-bas? Ah non, même pas. Oh, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Et tu te moques de moi. C'est là qu'il y avait les ghouls. Et j'ai failli y crever. Je sens que j'aime faire avoir. Je ne devrais pas y repasser. Je sais que je vais me faire bouffer. Mais depuis je me suis amélioré. Je devrais résister. Là va y avoir. C'est là qu'il y avait les goûts la dernière fois. Je devrais faire la terre. Docteur Anderson. Médicaments. Et l'œdème devrait se résorber dans une semaine ou deux. Ça marche, Doc. Merci. Au revoir. Eh ben dis donc, c'est sympa ça. Il n'y a plus beaucoup de médecins de nos jours. Vous devriez vous faire examiner. Ah oui, c'est vrai, exact. Soignez-moi, ouais. J'ai une maladie. Dites-moi ce que j'ai. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Soignez les blessures. Je suis mal en point. Ce ne sont que quelques égratignures, mais il vaut mieux soigner tout ça. Pour moi, c'est simple. Le docteur Anderson est le seul. Ah, la grosse piqûre! Faut que je baisse ma culotte. Oh putain. Oh, que ça fait mal. Non, ça ira, je vous remercie. Est-ce que j'ai perdu du coup mon. Oula, non. Ah non, je l'ai encore. Afficher les effets. Maladie de rataupe. Mais c'est quoi cette saloperie? PV max moins 10. J'aime pas ça. Un bruit. Hop, pourquoi il m'a changé de caméra? Où est-ce qu'il est? Boum! Respectez mon autorité! Où es-tu? Hop! Je
Putain, mais tu vas bien crever, oui. Il y a une explosion, non? Voilà. Ordre de super mutant. Putain, mais c'est quoi cette saloperie? Mais merde. Hop. Examiner. Je peux pas l'ouvrir. Alors, je vais aller voir ça parce que ça me saoule. Depuis plusieurs fois, j'ai des ordres de super mutants, c'est casse-couille. Si c'est juste me tuer. Alors. Je vous écoute, les gars. Tuer, piller, rentrer. Pff. Tout ça pour ça. C'est con, tu t'es bouffé la seule grenade que j'ai pu lancer. Musée de la sorcellerie. Bah écoutez. Enchaîné. Oh merde. Il y a une chaîne de l'autre côté. Ok. Ah oui, on était déjà venu ici, il y avait un cadavre. Cadavre du soldat Hart. Ok. On va rentrer dans un bâtiment du coup. La part du dab. Écoutez le Loband. Ah merde, j'aurais dû écouter le Loband. Fait chier. Oh que c'est creepy. Hop. On retourne dehors parce que j'ai pas envie de lancer le Loband et de me faire repérer par le son qu'elle produira. Parce que oui, c'est possible. Alors. C'est littéralement fait bouffer la jambe. Hein. Holoband, donc sans les haches. Ah bah apparemment non. Voilà. Hop, je t'écoute. Jeffries, Lee a réussi à faire fonctionner l'enregistreur. Alors c'est ça que vous vous voyez faire quand vous vous êtes enrôlé chez les artilleurs? Transporter des bagages depuis Linwood pour un repos. Oh la vache. C'est quoi son nom déjà? Willington? Willingham? Pas maintenant, soldat. Où est passé Connors? Oh la vache. Désolé. Le lieutenant a dit qu'il avait trouvé des traces et qu'il voulait voir où elles conduisaient. Le premier classe, Martin. Des traces? Quelles traces? Et qu'est-ce que c'est que ça, putain? Oh putain! Connors! Où est le reste de son corps? Merde, cette saleté nous a tué. Sergent Lee, prenez la mallette! Ne la quittez surtout pas les yeux! Tout le monde dans le musée, vite! Major! Major, qu'est-ce qui nous a retrouvés? Oh, intrigant! J'aime bien! Putain, la taille du machin! Oh la gueule! Ok! La part du diable, explorer le musée, génial! Qu'est-ce qui nous a retrouvés? Bah, c'est un alien! Forcément. Ça ne peut être qu'un alien. Non, c'est un écorcheur. C'est un écorcheur. Hop. Génial. J'aurais aimé avoir une... une armure assistée. Malheureusement, c'est pas le cas. Alors attention, ce sont des soldats, ils ont potentiellement posé des pièges partout. Oh merde, j'aurais pu le fouiller. Sinon, je pense pas que j'ai tombé sur une autre bestiole entre temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Rien. J'ai envie d'aller voir ici.
Kenny, goûtez-toi. Pousse-toi. Allez. Kenigou. Tu la boucles. Oh. Oh, l'escalier est ici. Ce sont des artilleurs. Certains sont décapités. Qu'est-ce qu'on boit déverrouillé novice? Parfait. C'est bon. Du Radaway, ce qui n'est pas bon signe. Qu'est-ce que cela va être? Ok. Alors Kenigou, on n'ouvre pas la porte maintenant? On a les boules? J'ai rien dit. T'es couillu. Donc il fait la différence entre les... Je regarde au plafond parce que sait-on jamais. En cas de pépin, qu'est-ce qu'on nous a toujours dit de faire? Sortez le Fapman. J'ai vu quelque chose bouger. Je sais pas vous. Oh bah d'accord. Ok. Au moins je sais où il est plus ou moins censé être. Ok. On n'est pas dans la merde. Autant vous le dire, on n'est vraiment pas dans la merde. Non! Je peux pas passer par là. Ah! Kenigou prend cher! Viens! Bah alors, ramène-toi! Putain! Je suis dans la merde! Je suis dans la merde!
Portée 47, bla, c'est nul. Gars, il est au courant. Il est au courant de la portée dans le jeu vidéo. Oh putain. Il a déjà dû jouer, je suis sûr. Croyez que si je me planque. Si je me prends et si je me planque et que je prends un stealth boy peut-être. Oh. C'est assez efficace. Je change d'arme du coup. Je te sens, mon garçon. Littéralement. Ok. Ok, suicide. What the... Oh merde. C'est pas ce que je voulais faire. Bonjour. Tu ne m'avais sans doute pas vu. Mais je t'ai quand même mis dans le cul. Tu ne m'as pas vu, il y avait personne en fait, c'est une bombe qui venait de nulle part. Bonjour. Tu vas bientôt me perdre de vue. Oui, oui. Devait disparaître. Dès bientôt disparu. Bouffe dans ta gueule. Hop, t'es mon dernier... C'est mes deux derniers ménénuques. Merde. Oui. C'est une tentative de dépérer. Vous savez quoi? Je pense que je vais retarder. Hop. Et que je vais le bourriner. Et que je me suis suicidé. Encore suicidé. Putain, c'est vrai que la portée de ce machin est quand même assez balèze. La portée de cette explosion est quand même extrêmement balèze. Ah oui, faut pas que je tire dans le poteau du tout. Hein. Même en étant contre le mur, ça suffit pas. Ah, même contre lui, ça suffit pas. Ah putain, il me reste plus que moi, que mon torse en fait. Mon torse et ma tête. Bon bah écoutez, on va reprendre un deuxième stealth boy. C'est violent hein. Foutre un mec comme ça dans un bâtiment, c'est d'une violence. C'est une grosse référence à... À comment... Hop, caché. À Alien pour moi. Bah Kenigou. Mais va au fight. Hey, psst. Voilà, on l'a eu. Putain. Sac à caca! Sac à caca! Oh la gueule! Sale bête! Oh la sale bête!
Lumière. Oh, Grognac le barbare, et génial. Voilà. Oh la gueule. Ça c'est quoi? La deuxième arme c'est... un fusil laser, ouais. Vous me direz, ça des... c'est des comment des... bah il y avait pas de chaîne derrière. C'est des artilleurs donc j'en ai techniquement rien à foutre. Hein. Ouais regardez les œufs, vous voyez. Oh le banc du sergent Lee, jouez. Hop. Plein de décorcheurs. Une douzaine peut-être plus. Tous réduits en miettes. Sauf celui-là. Pas étonnant qu'il n'ait pas voulu nous dire ce qu'il y avait dans cette mallette. Oh la gueule. Si j'avais su, j'aurais personnellement dit au chef des artilleurs et à ce tas de ferraille de Willingham de prendre ses capsules de Diamond City et de se les mettre en chepense. Au moins on sait pourquoi cet écorcheur nous traque depuis Linwoods maintenant. Lui a piqué ses petits. Merde. Peut-être que si on lui avait rapporté ses œufs. Tu m'étonnes. Bien, salut maman. C'est ça que tu cherches. Œuf d'écorcheur en parfait état. Hop. Terminé. Prenez l'œuf, livrez l'œuf. Ou remettez l'œuf dans son nid. J'ai tué la maman. Ça c'est terriblement laid par contre. Commonwealth. Merde. Gah, j'ai pas envie de... Vu la bestiole que c'est en fait, je suis heureux de savoir comment c'est quand c'est gamin pour savoir si je peux ou non le laisser. Et si je dis ça, c'est simplement pour savoir si en fait il survivra. S'il survit et que je peux le buter ensuite, ça serait pas si mal. Ce serait une belle histoire. Ah, je comprends mieux. Terminal, le visiteur du musée. Voyons voir. D'accord, c'est uniquement... ok. Alors, où est-ce que je suis censé mettre ça? Putain, mais il vient de loin en plus. Parce qu'il vient de loin. Palala, ou palala, ou palapapa. Oh putain, je chante ça. En plus, j'aime pas le chanteur. C'est comme ça. C'est comment qu'il s'appelle déjà? C'est... oh, je sais plus. Oh, je sais plus le nom. Voilà, je l'avais il y a deux secondes et je l'ai plus. Je suis pas fan. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Salem. D'accord. JNN. Génial. Référence à Fallout 3. Pas assez de monde, c'est pas assez vivant, y'a un truc qui va pas. Ah bah tiens. Ah oui, effectivement, c'est pas assez vivant. Oh, le beau bout de viande, c'est génial ça. Le beau roast beef que je pourrais me faire avec ça. What? T'es bien. Pourquoi t'es un fangeux allié? Qu'est-ce que... tu fais des fangeux? Ah oui. C'est pas le jour pour me chier dans les pattes. Aïe. Voilà. C'est pas cette friture de merde qui va me foutre les jetons. Voilà. J'ai assez de munitions pour... vas-y, ramène-toi. Tiens, regarde, j'ai un truc spécial pour toi. Bouffe, bouffe, Canigou, bouffe. Allez, mange. Mange le crabe. Parfait. Encore, Canigou. Mange le crabe. Hey. Parfait, Canigou. C'est bon, le crabe.
Salut papy. Vous êtes dingue. Tirez-vous de la rue avant qu'il y en ait d'autres qui vous repèrent. Bon, je vais ouvrir la porte, maniez-vous. Je vais vous laisser entrer dans le bunker. Même le fait c'est de cassé. Pas eh ben Canigou, viens vite. Trop tard, Canigou. Salut. Hey. D'accord, il veut que je rentre en dessous. Pourquoi pas. Allons-y. Il me plaît, ce mec. Il me plaît, ce mec. Carrément. Il est couillu. Eh, regardez-moi ça! C'est un vrai! Il a tout pour survivre! Dites-moi, on vous a bercé trop près du mur ou vous avez pris des cours du soir pour devenir aussi débile? J'aurais pu m'en sortir sans aide. Ben voyons, vous étiez comme un hérisson pétrifié devant les phares d'un camion. Mais bien sûr! Moi, il faisait des confettis de votre carcasse! Heureusement que j'ai Reba pour m'aider à déglinguer ces foutus crustacés. Hein, ma belle ? Reba ? C'est qui, Reba ? Vous parlez de votre flingue ? C'est pas qu'un flingue. C'est la meilleure pétoire de tout le Commonwealth. Je l'ai fabriquée de mes propres mains. Oh, mais je me suis même pas présenté. Barley Rook, commandant de la milice des volontaires de Salem, à votre service. Je suis aussi quartier-maître, sergent d'armes et greffier pour toutes les réunions officielles. Ok, t'es le seul... Reba. Mais vous avez déjà fait connaissance quand elle vous a sauvé la vie. J'ai pas demandé les autres. Il n'y a que vous deux? Où sont passés les autres? On n'a pas toujours été que tous les deux. Bon, j'adorerais continuer à papoter avec vous de la pluie et du beau temps, mais on a du boulot. Et quand je dis « on », c'est de vous que je parle. Avant votre arrivée, les fangeux se tenaient plutôt tranquilles. Ce qui posait problème était rapidement éliminé par mon système de tourelles de défense. Comme c'était calme ces derniers temps, j'ai coupé les tourelles pour économiser les munitions. D'accord. Il va falloir les remettre en marche. Et il me plaît ce mec-là. Et c'est là que vous intervenez, soldat. Moi, je vais rester ici pour monter la garde, pendant que vous allez réactiver les tourelles. T'as de l'argent ? J'y gagne. Dites rien à Reba, mais je lui bricole une petite sœur quand j'ai du temps libre. Je pense l'appeler Reba 2. Elle est dans l'arrière-salle. Elle n'est pas aussi balèze que sa grande sœur, mais si vous m'aidez, je vous la donne. Reba serait sûrement jalouse de toute façon. Ah oui. Les tourelles sont assez faciles à trouver. Elles sont en hauteur, à des points stratégiques de la ville. Mais faites gaffe. Vous avez sans doute réveillé un paquet de fangeux avec tout votre bordel. Ça doit grouiller dans toute la ville. Tu crois ? Ok, bah attends, je regarde ce que t'as chez toi quand même. C'est au niveau des munitions en fait que ça m'intéresse. Oh! Ah, mes munitions! Les armes magnifiques infligent 7% de dégâts supplémentaires en critique. C'est cool. Même si on n'utilise pas souvent les critiques, malheureusement. Porte déverrouillée nécessaire. Clé. T'es sur les chiottes. Clé de Barney, d'accord, intéressant. Non, non, t'es un mec sensé, j'aime bien. Un peu fou, mais sensé dans le sens où tu es un survivaliste, t'es un survivant. Un pro de la survie, entre guillemets, oui, c'est ça. Bon. Allons-y. Tu viens, Ganigou? Allez, viens. Hé, viens là. Par ici. Merci. Alors, ces tourelles. Hop. La part du diable, on va l'enlever. Divers, activer les tourelles de Barney. Hop. Parfait, la plus proche est ici. Ah, c'est des piafs. What? Oh, la gueule des mouettes. What? Dégagé. Bla. Oh la gueule. Ils m'ont mis cher. Ils m'ont mis extrêmement cher. Oh la gueule, la gueule, la gueule. Je suis vraiment pas dans la région qu'il faut.
On va prendre ça. Hop, une petite sauvegarde rapide et on va y aller. On reprend les choses là où on les avait laissées. F5. Allez, revenez. Oh non! Hop! C'est quoi ça? Eh oui, je fais plus de dégâts au corps à corps. Donc c'est bien si tu cours vite. Hop! Falloir que j'améliore ce cloneur de balles. Falloir qu'il fasse beaucoup plus de dégâts très très vite. Soin. Brochette d'iguane et côte de molosse mutant. On est quand même dans la merde. Hein. Autant vous le dire, on est dans la merde. What? C'est ça un fond-jeu royal? Il m'envoie des cris à la gueule. Il me criait à la gueule en fait, c'est ça qu'il faisait? Par contre, je sais pas où est-ce que m'envoie le jeu. Ah merde, il m'envoie pas sur les... Merde. Ah, ça pue, faut que je remonte. Avec un peu de bol, je vais pouvoir par là. Hop. Oh, t'es sérieux? Voilà. Non. Voilà, parfait. F5. On a quand même buté le roi des fonds-jeux, chers amis. Hein. Moi, c'est pas mal. Ok, il y en a une en haut. Pour moi, en soi, c'est une excellente nouvelle. Oh! Je voudrais prendre juste le mini-nuc, si c'est possible, en fait. Terminal utilisé. C'est dire le mot de passe. Commande des tourelles. Oh. Diagnostic système. Hop, c'est dire le mot de passe. Activer la tourelle. Donc j'imagine qu'elle fonctionnera maintenant si j'amène les mecs dans la rue. Il y en a deux au niveau de la... Il y en a une au niveau de ce bâtiment. Il y a des bestioles. Vous avez vu là-bas? Allez, tire! Si elle tire pas, je suis baisé! C'est quoi cette tourelle? C'est quoi cette tourelle?
Oui, je me bats au corps à corps avec un fangeux, et alors? Putain, ces tourelles vont être inutiles. Me dis pas qu'il y a des... Non, sérieusement, me dis pas qu'il y en a là-dedans. Oh, si, y en a. Oh, y en a. Oh, putain. Hop, c'est pas la peine. C'est tout ce que j'avais en munitions ? Pourquoi vous attendez là-bas ? Ok, quand ça veut pas. Putain, mais ils sont tellement résistants. Quand ça veut pas, hein. C'est violent. Essayons autre chose, essayons autre chose. On va finir par y arriver, hein. J'ai l'impression de faire zéro dégâts, c'est une violence. Alors je sais ce que je vais faire. Regardez. Il va descendre. Alors, fusil. Oh. Oh, intéressant ça. Je prends. Et je vais utiliser. Parce que j'ai une chier de balle. Descends. Parfait. Balleur. En fait, c'est un fusil, shotgun, laser, glace. De base, ça peut être que bon. Et de deux. Mine à capsule. Saloperie. Ok. Putain, pourquoi il a placé toutes ces tourelles à des endroits où elles vont pas tirer sur les choses? C'est vrai, c'est stupide. Je veux dire, si je mets des tourelles quelque part, c'est justement pour qu'elles tirent sur quelque chose. Regardez là-bas. Ah merde, il est disparu. Monte ta tête, c'est pas grave. Montre. Promis, je vais pas te faire de mal. Ah, il veut pas entendre, hein. Et la tourelle, elle veut pas tirer, hein. Je l'ai pas buté. T'es pas sérieux là. Je l'ai buté.
Il me tire dessus et la tourelle, non. Ok. Pardon la tourelle, excuse-moi. En fait, si tu te mettais à tirer sur mes ennemis, ce serait carrément cool. Mais bon, apparemment, c'est pas prévu pour l'instant. Putain. Apparemment, je suis encore en danger. Apparemment, je ne suis presque plus en danger. Cependant, il y a un truc qui me dérange, c'est que les tourelles ne tirent pas. Et ça, croyez-moi, ça me fait chier. Je les mets en marche, c'est pour que ce soit de plus en plus facile, techniquement. Enfin, je pense que vous comprenez la chose. Rien, rien, rien. Il doit y en avoir pas loin en plus, c'est génial. Je suis détecté par quoi, par qui, on n'en saura jamais rien. Kenny va trouver quelque chose peut-être, oui, mais... Je veux pas savoir ce qu'il a trouvé. Putain, faut que je ressorte l'autre machin, là. Allez, ramenez vos fesses, c'est pas grave. Hop. Est-ce que celle-là va bien vouloir tirer sur un mec qui est devant elle? Mais certes, t'as trouvé un ennemi, c'est cool. Ok, le v'là. Alors normalement, il devrait être un peu moins insensible aux dégâts énergétiques, je pense. Allez, viens. Il veut pas? Pourquoi il veut pas venir? Je pense qu'au niveau des dégâts génétiques, il devrait pas les sentir. Il devrait les sentir un peu plus. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas grave. Kenigou se téléportera. Pourquoi la caméra passe comme ça? Hop! On va être par là, j'imagine. Bière, bière, bière. Terminal. Mini-nuke! Cartouche! Hop! Alors. Saisir le mot de passe. Activer la tourelle. Et c'est bon. Bon. Alors. Est-ce que quelqu'un veut négocier? Avant l'éradication complète de votre race. Non? J'ai pas pris le bon chemin. Je meurs.
Ah, je pensais que vous alliez m'en faire pop un dernier, genre un truc de la mort qui tue. Hop, allons-y. Allons voir le bonhomme et on va mettre fin à l'épisode ensuite. Alors. Yo. Vous avez réussi, hein? Ah, ça fait plaisir d'entendre à nouveau le doux crépitement des mitrailleuses. Vous avez bien failli nous surprendre en plein tambour, Reba et moi. Ah non, y a rien eu, hein. Aimable. Pas de soucis, Barney. Tant mieux. Bon, merci. Une chose est sûre, on n'est pas près de vous oublier. Ah, avant que j'oublie, voilà la clé de mon atelier, dans le bunker. Vous devriez trouver Reba 2 sur la table. Ah. Vous la méritez bien. Maintenant, excusez-moi, mais aujourd'hui, c'est entraînement au tir. La milice des volontaires de Salem ne connaît point de repos. T'es un mec sympa. Alors. Alors. Elle est là. Reba 2. Bah dis donc, je peux faire de loin le mien. Hein. Parfait. 88, 640. Enfin, 88, 3, 215. Faut que j'aille voir par rapport à la mienne en fait, faut que je compare. Alors, Reba. Elle fait moins de dégâts, elle a une meilleure portée. Une meilleure précision, elle est plus légère et coûte plus d'argent. Ouais, bah je la trouve pas mieux que le mien en fait, hein, du coup. Moi, c'est comment qu'il s'appelle le mien déjà? C'est sifflement, 102 de dégâts déjà de base, calibre 50. Ça met dans l'ambiance, hein, je pense. Enfin bon. T'es quand même un mec bien sympathique. Hop, je te prends un petit peu de quoi survivre. Ok. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, vous faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode de mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu, ainsi que Star Wars et Mad Max, et je les en remercie grandement. Je vous remercie vous pour votre fidélité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.